Les drapeaux européens sont là-bas. 4, 3, 2, 1. Il est 20h, Sofest ORTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Cinquième président de la cinquième République. Ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne méconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen, et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises, mes chers concitoyens. Je veux ce soir saluer le président Hollande. Il a pendant 5 ans œuvré pour notre pays.
Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers. Et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là. De vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Depuis tant et tant de mois, n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Vous les savez. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir. Être à la hauteur de celle-ci et porter durant les 5 années qui viennent l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun, par l'école et le travail. Et nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la volonté, celle qui nous a porté, qui a fait ce que nous sommes. C'est cela ce qui conduira notre avenir. Nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien à la division, nous ne céderons rien aux mensonges. Nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Je sais cette ferveur que vous portez, je sais ce que je vous dois, et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée, je vous servirai avec amour.